Bonjour, bonjour, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut tous mes abonnés, les nouveaux et les anciens. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Tata Michelle. Aujourd'hui, je vais vous montrer encore une autre astuce à faire avec l'oignon. Je vous ai déjà montré comment faire revenir son petit ami, son ex, ou bien comment ramener la paix entre deux personnes. Je vous ai déjà montré l'astuce à faire avec l'oignon où j'ai eu beaucoup de retours. Je vous montre encore une autre astuce. Toujours, si vous avez les problèmes avec votre petite amie, votre mari, votre femme, donc si vous n'arrivez pas à joindre quelqu'un que vous aimez, que cette personne vous a bloqué, donc vous allez faire cette astuce. Il y a les commentaires, je vois souvent certains commentaires, oui, tata, ça fait 7 fois que j'ai fait l'astuce, mais ça ne marche pas. Ma belle, si tu fais l'astuce 7 fois, ça ne marche pas, mais laisse tomber, passe à autre chose, on ne force pas. On ne force pas, d'accord? Ce que je vous donne, ce que je partage avec vous sur YouTube, je vous donne les astuces naturelles, sans effet boomerang. Mais il y en a qui viennent me demander les astuces inbox. Comme il y a une là, elle m'a dit, oui, elle est en relation avec quelqu'un, mais la personne ne veut pas du sérieux. Elle veut une astuce où la personne va ramper. Mais ma belle, écoute ce que tu dis. La personne te dit qu'elle ne veut pas quelque chose de sérieux avec toi. La personne t'a dit la vérité. Mais laisse tomber. Par la grâce de Dieu, Dieu va mettre quelqu'un, ton âme sœur sur ton chemin. Cette personne qui veut jouer avec toi, mais laisse tomber. Ça ne sert à rien de faire l'astuce pour que la personne rampe derrière toi. Est-ce que vous connaissez? Il y a les astuces où, si tu veux vraiment que la personne rampe derrière toi, est-ce que vous savez qu'il y a les risques après? Il y a les astuces où ça retourne contre toi. Je précise tout ça quand je fais une vidéo où il y a les conséquences. Je préfère être honnête, je vous dis la vérité. Comme l'astuce que j'ai partagée la dernière fois pour chasser les tisas. J'avais dit, si tu n'es pas la femme, si on n'a pas fait le coq-coq, ne fais pas l'astuce parce que je sais qu'il y a les conséquences. Si toi, tu sais que tu n'es pas marié, tu es la tisa et que tu pars détruire le foyer de ta soeur, parce qu'une femme comme toi, c'est ta soeur, mais ça va retomber contre toi. Donc, ne force pas, on ne force pas. Une personne qui t'aime vraiment, tu ne vas pas courir derrière cette personne éternellement. Si tu fais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça ne marche pas, laisse tomber. Je sais que ça fait mal, surtout quand on aime la personne. Mais il faut savoir passer à autre chose. D'accord? Donc, voilà l'astuce. Il nous faut l'oignon. L'oignon, que ce soit rouge ou blanc. Mais cherchez les bons oignons, les oignons qui piquent. Il y a des oignons qu'on appelle les oignons chinois qui ne piquent pas. N'utilisez pas ça. Excusez-moi du terme. C'est comme ça qu'on les appelle, ces oignons. Cherchez l'oignon où dès que tu découpes là, les larmes coulent. Le genre d'oignon qui pique là. D'accord? Que ce soit blanc ou rouge, ok? Vous cherchez un oignon, vous faut un papier blanc, d'accord? Un papier blanc où vous allez mentionner le nom de la personne. Vous n'êtes pas obligé de prendre un papier comme ce que je montre, parce que ça, c'est un exemple. C'est pour cela que ce papier est grand. Donc, vous allez prendre un petit papier, parce que le papier, vous allez mettre dans l'oignon, d'accord? Donc, vous allez couper un papier qui convient. Donc, il pourra rentrer dans l'oignon. Parce que là, c'est juste un exemple. D'accord? Ok, vous allez mentionner le nom de la personne, le nom et prénom de la personne. Je ne voudrais plus voir dans les commentaires comme la dernière fois. Mais tata, je ne connais pas le nom de mon petit ami. Mais maman, tu es en relation avec un fantôme? Comment tu ne connais pas le nom de ton petit ami? Ah. Je vois de ces commentaires. Donc, vous mettez, je disais tantôt, vous mettez le nom et prénom de la personne. D'accord? Vous mettez, appelle-moi. Et ensuite, vous mettez votre numéro de téléphone. C'est d'abord le nom et le prénom. Si vous n'avez pas le prénom, vous mettez le nom. Si vous n'avez pas le nom, vous mettez même juste le prénom. D'accord? Vous mettez, appelle-moi. Et vous mettez votre numéro au téléphone.
Là, c'est un exemple. Vous allez voir, j'ai même Tata Michel. C'est juste un exemple. J'ai dit le nom et le numéro de la personne. Le nom de la personne, je veux dire. Le nom et le prénom de la personne. Appelle-moi. Et vous mettez votre numéro de téléphone. Parce que cette personne doit vous appeler. D'accord? L'astuce, vous pouvez faire l'astuce le matin ou le soir. Donc, à l'heure qui vous convient. À l'heure qui vous convient. Ok, vous faites l'astuce. Il vous faut un bocal comme ça. D'accord? En verre. Je précise bien en verre. Tata, si je n'ai pas de truc en verre, est-ce que je peux prendre. Non, en verre. Verre. Donc, cassable. D'accord? Un bol cassable comme ce que je présente. D'accord? Dès que vous finissez d'écrire. Vous allez mettre ce bout de papier, donc vous allez fendre votre oignon. D'accord? Vous voyez, c'est déjà fait parce que je ne peux pas faire ça ici, c'est pas bien. YouTube va signaler la vidéo. Vous voyez? Et vous allez mettre le bout de papier à l'intérieur de l'oignon. Vous coupez l'oignon en deux et vous mettez le bout de papier à l'intérieur. Vous fermez votre oignon. Vous fermez, si vous avez même un fil blanc, vous attachez avec le fil blanc, hein. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Donc, vous fermez, vous refaites vos voeux, vous appelez la personne, vous dites appelle-moi, et vous allez mettre l'oignon dans ce bocal, vous mettez l'oignon là dedans, ok? Vous allez voir, vous mettez dedans. Mettez à l'intérieur et vous fermez. Jusqu'à ce que la personne. Donc, l'oignon doit rester dans ce bocal pendant 7 jours. Si d'ici 7 jours, la personne vous appelle et vous allez enlever, vous jetez juste l'oignon hein, dans la poubelle. Vous n'allez pas jeter votre boîte, non. Vous ouvrez la boîte et vous jetez l'oignon. Et le bout de papier, donc vous jetez, que ce soit dans la poubelle, donc, même dans les toilettes, pour ceux qui ont les toilettes traditionnelles, donc vous jetez tout dans les toilettes. À des fois, vous jetez dans la poubelle, donc vous déchirez bien le papier, vous jetez dans la poubelle. Ok? Je disais tantôt que l'oignon doit rester dans la boîte comme ça, fermée pendant 7 jours. Disons que. Commencez à compter à partir du jour où vous avez fait l'astuce. D'accord? Disons que vous avez fait l'astuce aujourd'hui. Demain, la personne vous appelle. Donc, tout s'arrange. Ouvrez la boîte et jetez l'oignon. Si vous avez fait l'astuce aujourd'hui, dans 2 ou 3 jours, la personne vous appelle. Vous faites pareil. Si la personne ne vous appelle pas dans 7 jours, donc aussi même, c'est au 7e jour. Vous allez ouvrir la boîte et jeter l'oignon et refaire l'astuce. Vous pouvez refaire l'astuce 3 fois. Si ça ne marche pas, laissez tomber. OK? Il y a certaines personnes, tu fais l'astuce aujourd'hui, tu veux déjà les résultats demain. Mais pourquoi vous n'êtes pas patient? Il faut être patient. Et quand on fait avec la foi, on ne fait pas avec les doutes. Je vois souvent dans les commentaires, qui a déjà fait et ça a marché? C'est quand quelqu'un vient de te dire que oui, j'ai fait et ça a marché, que toi aussi tu vas aller faire. Hein? Fais, tu ne fais pas pour quelqu'un, tu fais pour toi. Et les personnes qui font là, ils ne font pas pour toi, ces personnes font pour elles-mêmes. Pourquoi venir demander qui a fait et ça a marché? Lisez souvent les commentaires, il y a les commentaires là, ça ne marche pas pour tout le monde, c'est normal. Hein, ça ne marche pas pour tout le monde parce que même les 5 doigts ne sont pas pareils. Donc, quand tu fais l'astuce, fais avec foi. C'est quand tu vas finir de faire le tour des commentaires, qui a fait et ça a marché? C'est là où tu iras faire. Hein? Sachez que Jean peut faire aujourd'hui, demain ça marche. L'autre fait, ça ne marche pas. Donc, l'autre fait, peut-être ça marche au bout de 3 ou 4 jours. Hein? Chaque personne a son étoile. Nous ne sommes pas pareils. D'accord? Ok, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Excusez-moi pour la longueur de la vidéo, mais c'est pour bien expliquer. Parce qu'après, il y aura les questions bizarres, alors que tout est dit dans la vidéo. Ok, je vous souhaite
beaucoup de bonnes choses. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye.